quoi? Je m'adapte. Witt, c'est 8 saisons et 102 épisodes. Bande de feignasses. Dans l'idée, c'est l'histoire d'une jeune femme mère de deux enfants qui vient de perdre son mari suite à une crise cardiaque et qui décide, pour subvenir à ses besoins, de vendre de la weed. En réalité, c'est plutôt une connasse égoïste qui ne pense qu'à son cul et surtout qu'à ses activités de dealeuse et qui mettra toute sa famille ainsi que tous ses amis dans la merde. Attention, loin de moi l'idée de dire que cette série n'est pas bien, au contraire, elle est excellente. Mais il faut quand même avouer une chose, c'est que si on oublie un peu le côté « Oh mon dieu, j'ai une maman toute seule abandonnée, c'est trop dur la life » et qu'on considère réellement ce qu'elle fait pour ses enfants, c'est définitivement pas la mère de l'année. Car le discours qui est le plus souvent répété dans la série, c'est « Ah, mais qu'est-ce que tu aurais voulu que je fasse d'autre? J'avais pas vraiment le choix, hein. » Alors qu'au final, la solution est simple, hein. T'aurais aussi pu aller bosser. Oui, je vous entends dire, il parle sans savoir, il ferait mieux de fermer sa gueule. Bref, le sujet n'est pas là. Mais le plus intéressant dans Weeds, c'est que la série, au final, ne tient pas du tout sur ce fait-là. Autant, la série a misé là-dessus pour se permettre de décoller. « Oh, mon dieu, une série qui parle d'une dealeuse de drogue et tout, ça va être super intéressant. » Autant, dans la suite de la série, on s'en fout. Elle aurait très bien pu faire n'importe quoi, même légal. Ça n'aurait pas changé l'intérêt de la série. Bon, même s'il y a 2-3 trucs qui pètent un peu fort parce qu'elle a choisi la drogue, mais c'est pas vraiment ce que l'histoire veut raconter au fond. C'est vraiment l'histoire d'une mère qui essaie de s'en sortir et aussi l'histoire de tous ceux qui sont autour d'elle. Côté chiffres, Weed est la série la plus regardée qui n'a jamais été diffusée sur Showtime. Tu m'étonnes que malgré toutes les propositions qu'ils ont eues, la chaîne a toujours refusé de vendre les droits. Et ça se démontre sur tous les plans que la série est excellente. Allez voir sur Wikipédia le nombre de récompenses longues comme le bras qu'ils ont eues, et alors encore plus longues sur les nominés. Côté DVD, chaque saison est bien entendu sortie individuellement. Mais la saison 8 venant juste de sortir, on n'a pas encore le pack intégral. Et personnellement, je m'attends à un truc énorme. Je pense que je vais être déçu, mais vous imaginez un grand pack, au moins en chanvre, pas forcément en forme de joint, mais en chanvre, tac, avec un bang offert. Enfin, je sais pas.